Vous me permettez? Ouais. Vous savez ce que je veux et ce que je ne veux pas. Je vais répéter ce que je ne veux pas. Je ne veux pas du système RPT. Moi, je n'en veux pas. Je vous le dis, hein, et je suis sincère. Je ne veux pas d'un dialogue avec le système RPT parce que je ne veux pas. Nous ne voulons pas du RPT. Nous ne voulons pas des lois du RPT qui réduisent les libertés au Togo. Nous n'en voulons pas. Ce n'est pas le contenu. Ce n'est pas de s'asseoir dans un hôtel qui compte. Nous ne voulons pas d'une loi au Togo qui nous interdise de manifester. C'est ce qu'ils veulent. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas d'un système qui trompe les Togolais. Parce que nous voulons que notre pays soit gouverné autrement. Ce que nous voulons finalement, c'est le changement. Le mot là, PRAC, ANC, PSR, ADI, sur ce Togo, c'est le changement. Nous voulons le changement. Aujourd'hui, moi je lance encore un appel à toutes les autres formations politiques du pays qui veulent le changement, que le changement, c'est au prix du sacrifice que vous êtes en train de consentir. Ils n'ont qu'à nous rejoindre. Ils sont où? Mais attention, il ne faut pas que certains aillent parler au nom de l'opposition togolaise avec le système RPT sur des lois qui vont étouffer les Togolais. Nous n'en voulons pas. Même s'ils prennent le manteau d'opposant, on ne veut pas de ce système. C'est ça qui a permis au RPT de se maintenir au pouvoir. Nous n'en voulons plus. Plus du tout. Ailleurs, à côté de nous, au Burkina, en Côte d'Ivoire, un peu plus loin, Libye, etc., les peuples aujourd'hui sont en train progressivement de reprendre en main leur destin. Je l'avais dit. Quels que soient les cas, nos frères ivoiriens arriveront. La Côte d'Ivoire va se relever. Nous avons beaucoup de pensées pour la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont ici au Togo. Ils ne méritent pas ça. Vous savez, les régimes qui viennent au pouvoir, tantôt opposants légendaires, revêtus d'habits opposants, mais qui deviennent de redoutables bourreaux pour leur pays, nous n'en voulons pas. Chez nous, si on nous a dit, et de conciliation nationale apaisement, aujourd'hui, c'est devenu quoi? Des bourreaux. Des gens qui prennent l'argent du pays pour acheter les grenades, les gaz de lacrymogène contre leur peuple. C'est quoi? C'est des bourreaux. Les gens qui dépensent l'argent du pays pour réfléchir au mal, c'est des bourreaux. Chez eux, opposants légendaires devenus bourreaux, chez nous, réconciliateurs, apaiseurs devenus des incendiaires. Le peuple togolais doit savoir que nous ne pouvons plus nous contenter des mots ni des intentions. Il faut un changement véritable. C'est le changement qu'il faut. Il faut changer d'abord d'hommes. Ces hommes de nouvelle mentalité, je pense qu'avec ça, on pourra mieux apprécier et engager les processus qu'il nous faut pour notre pays. Donc je vous demande à vous tous de rester mobilisés. Il y a du soleil. Mais ce soleil, c'est une épreuve pour voir si on est vraiment déterminé. Il y a le temps. On a pris le temps, on le prendra pour venir à bout d'un système qui nous détruit. Qui détruit le Togo, qui détruit l'avenir, qui détruit la jeunesse. J'ai vu de vieilles femmes ici. Je ne vois pas la jeunesse togolaise parce qu'elle est détruite. Il faut la reconstruire. Les jeunes ont peur. Ils ont peur de leur gaz. Ils ont peur des soldats. Mais vous savez, les soldats, lorsque ça se fait peu, ils ont rejoint les masques. C'est ça, les soldats africains. Ils vont nous rejoindre tous. Ils attendent. C'est à nous de prouver qu'on veut prendre en main notre destin. Je vous remercie.